on se retrouve sur BFU Urbex, je vais être obligé de filmer avec mon téléphone parce que j'ai plus ma GoPro pour l'instant. Et là on est dans un putain de petit Urbex. Donc là c'était l'intro les gars, donc je vais couper vu que je suis avec mon tel et remettre pour changer de vue à plus. Allez, à tout de suite. Donc re les gars, on est dans le putain de truc. Je sais pas si vous pouvez voir. Là il y a une grande rue sa mère. J'espère que je suis tout seul sur le spot. J'aimerais pas avoir une frayeur, je suis tout seul. Je vais pas vous mentir que ça me fait un peu peur. Regardez-moi ça. Putain, c'est tellement stylé. Là, j'en profite, les gars, je suis obligé de filmer avec ça. Parce que ma GoPro, je l'ai pas vu que je suis en vacances. Et grâce à mon cousin, j'ai pu avoir ce lieu. Que j'ai déjà visité. Mais on avait fait ça pour le fun. Et on avait eu des problèmes habituels. C'est normal quoi, parce qu'il y a d'autres gens sur le spot. Mais là il est 11h. J'ai marché 1h30 pour pouvoir arriver au spot. Donc là c'est une heure où il y aura normalement il y a personne qui va faire des urbex à cette heure là je pense. J'ai une lampe dans mon sac si jamais il fait trop sombre pour vous les gars. Vu que j'ai le retour. J'espère que la qualité qualité ça va pas être tellement dégueulasse. Oh putain, ce couleur elle fait bête de flipper. Attendez, je vais prendre ma lampe. J'ai environ 1 heure pour faire une petite vidéo. Je remets la caméra. Oh putain, j'entends des gens. Je vois des gens. Merde. S'il y a des gens, je vais essayer de les esquiver. Pour pas avoir d'ennui vu que je suis solo. Ok, c'est bon. Ah, il y a des trous. J'ai jeté un coup d'œil. À la fenêtre. Je vais faire plusieurs parties. Je pense. Je vais faire une partie sur tout ça là et une partie sur ce que je suis en train de visiter. Parce que comme vous avez pu le voir, c'est très très grand et ça fait plaisir. C'est pour ça que j'aime bien aller en vacances ici chez ma mamie avec le cousin. Des fois, ça part en urbex. On va faire gaffe aux trous quand même. J'essaie d'être hyper pas remarqué, on va dire. Je pense là on a une petite belle vue. Regardez-moi ça. Tout ça d'urbex les gars. Magnifique. Bon, c'est magnifique tant qu'on croise personne. Putain merde, il y a une porte qui a fait du bruit. Je pense que je vais être obligé de faire un demi-tour les gars. Ouais, ça va faire beaucoup trop de bruit. Je vais prendre la deuxième solution, les escaliers. Je sais pas du tout, je vais me sortir. Allez, hop, là. On fait gaffe aux trous dans le sol au cas où. Est-ce que ce serait possible d'avoir un escalier les gars?
S'il vous plaît. Ah, on peut monter, mais je pense que ça mène à rien. Hop, pas d'accès au toit potentiel. Ça ne sert à rien. Je pense que je vais choisir la solution de redescendre. Sans me tuer à cause des trous. Je pense que je vais partir par la fenêtre. S'il y a une échelle, je crois en avoir vu. Bon, bien, mais est-ce que c'est judicieux de faire ça? Ah, je ne sais pas. Avec le téléphone, ça va être compliqué. On va reprendre les gars par où on est passé. Je préfère pas prendre de risques aujourd'hui à cause que je suis pas chez moi. Si je me fais choper, bah moi je reviens pas, je suis mort. Désolé les gars, j'espère qu'elle sera bien la vidéo quoi. Ça vous plaira parce que j'avais déjà tourné une vidéo ici avec mon ancien téléphone et celui-là il avait l'air mieux ce téléphone pour filmer. Les voisins, non, c'est bon? Pas de voisins? Oui, on remet la lumière. Ah putain, il m'en s'est tué. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Je vais avoir des crampes au bras, moi. Dans mes souvenirs lointains, parce que c'était il y a très longtemps, on avait trouvé un sous-sol. Ah oui, il faut que je parle d'ici aussi. C'est une très grande usine. Il y a un escalier là, c'est le foutage de gueule. C'est une très grande usine qui a fermé, je ne sais pas pourquoi, par contre, ça. Ils ont employé à leur meilleur potentiel, on va dire, 7000 salariés en même temps. Donc, imaginez. Il y avait 7000 personnes ici, quoi. Ah voilà, les sous-sols, la partie sombre de cet endroit. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais je sais que ça va nous mener quelque part. J'ai besoin de lumière. Oh, petite chaise qui dit bonjour. Donc là on part sur de l'eau pour se laver les mains ou aussi pouvoir boire, je pense. Les deux, mais. Ok, donc on ressort par dehors. Ça peut être pas mal pour esquiver. Esquiver si jamais. Petite poursuite. Comme vous pouvez le voir, c'est assez désert. Mon plan a marché, il n'y a strictement personne. Ça, c'est bien ça. Ça, je suis posé. Je suis là, je suis bien, je suis au calme. On va dire que j'étais seul. Un petit coup d'œil quand même. J'ai essayé de faire une vidéo de 15 minutes les gars. Et après je tourne la deuxième partie. Ouais donc aussi j'ai fait. Il a dit que c'était qu'un courant d'air. Putain. Il y a des bruits. Il y a des gros bruits. Je vais peut-être vite aller faire les autres bails parce que là. Putain, ça continue à taper. Ça me fait assez peur, je vais pas vous manquer. Je pense que là, il suffit de se couronner. Là, je vais essayer. Bon là je vous préviens, si je croise quelqu'un je me barre. Peut-être pas en courant, à part si lui il commence à me courser.
Mais je me barre parce que trop de risques pour rien. Ça va. Ah, donc ça à côté à droite, je vais faire la visite dans la deuxième partie que je voudrais aller voir sur la chaîne. Je vais quand même faire gaffe à mes arrières. Donc là, il y a une guêpière, je sais pas comment. Je sais même plus comment on dit ça. Fourmi. Une ruche, voilà. Le mot m'est tombé. Donc là, ça doit être assez bien. En plus, il y a un lycée à côté. Pour les mecs du lycée, ils doivent se mettre bien. Bon, faut pas accéder au tombe. Ouais, donc les gars, donc là j'étais à Châteauvoux et je pense que je vais couper la vidéo de la première partie et je vais vous faire la deuxième partie qui sera dans les bâtiments juste là, enfin dans les grands bâtiments qu'on a pu voir sur la ligne. Donc là ça vous fait une petite vidéo de 11 minutes je pense. Il n'y aura pas l'intro au début normalement parce que je filme avec mon téléphone et il faudra me dire si la qualité est assez bien pour potentiellement que je fasse d'autres vidéos avec mon téléphone. Et donc moi je vous dis tous et à la prochaine les gars, et venez voir la suite de la vidéo. À la plus.